coucou mon petit gars, enfin que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars où on va voir les 3 premiers jours de mon marathon star où on commence évidemment avec le duo Showdown en compagnie de l'ami Blaze. Donc vous avez d'ailleurs le Twitter en description, donc n'hésitez pas à aller le checker. Moi je suis parti sur Bo, il est parti sur BA, une compo plutôt ok. On va essayer évidemment de faire de notre mieux sur cette map pour aller chercher un maximum de points. Là on a déjà 3 caisses, c'est plutôt pas mal. Évidemment si tu découvres la chaîne, n'oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu et t'abonner, ça fera toujours plaisir. Là attention parce que là j'ai quand même pris un peu la sauce avec le barley, mais on va voilà, le circle, Blaze qui lui met une bonne pression. Et il va tomber, normalement, si j'arrive à le viser, hein, évidemment. Voilà, c'est mieux quand on le touche. Là je brûle dans les flammes de l'enfer, c'est toujours agréable. Ok, alors là on a la vision sur le mid, donc on voit une petite Shelly des familles et une Nita qui nous attendent. Donc on va hop, essayer de mettre un peu la pression avec la vision du beau. Est-ce qu'on va réussir à l'attraper? La Nita, elle commence à peut-être prendre des risques toute seule. Après, où est la Shelly? C'est le problème. Voilà, la Shelly qui est là, il y a du monde au mid. Alors, vous savez, sur cette map, c'est vraiment une map où il faut prendre le contrôle du mid. Si vous avez le contrôle du mid, c'est très très fort. Là, j'ai essayé de tuer des murs, c'est pas une très bonne idée. Je vous conseille plutôt de tirer sur vos adversaires. Ok, là on a la bonne vision, on a 6 potions, on est plutôt pas mal. Alors ok, là il y a un rip-up avec un corbeau. Ok, le corbac qui arrive, on va le calmer. On est déjà à 7 potions, oh là le bull. Le bull qui vient sur moi, attention, Blaze qui le zone bien. Il s'en va avec son ulti, on va placer des mines. Hop, oh, une Shelly. La Shelly des fougères, et là, oh Blaze il est pas bien du tout. Blaze il est pas bien du tout les amis, Blaze est pas bien. Oh, combien faire pour sortir de là? Ah, en plus il régène pas. Est-ce qu'il aurait peut-être pas dû essayer de régène? Je sais pas. Et là il va tomber. Et ce marathon star les amis commence plutôt mal avec un top 4. Clairement on s'est dit sur le moment avec Blaze, la BA c'est très très fort. Mais je pense que sur cette map, la compo c'est officiellement en duo showdown. Beau et ricochet, donc là avec le ricochet on va essayer de faire mieux parce que le top 4 clairement ça nous met pas très bien. Ok, on va récupérer des caisses tranquillement avec notre beau. Ok, on a déjà deux, notre ami Blaze qui récupère là-haut pour aller en chercher une troisième. Moi je vais prendre la quatrième ici. Ok, là on est pas mal, un bon starter, il y a déjà des kills qui tombent, on est déjà top 4 sans avoir trop forcé, donc ça j'ai envie de vous dire c'est plutôt cool. Ok, allez Blaze, attention, il a failli face check le bull qui du coup le tue, on va essayer de tuer bull, voilà, et de repartir avec les caisses, on est à 7 potions, Blaze est mort malheureusement, donc on va devoir faire un petit peu, voilà, un petit exploit, même si un ricochet ça reste très très fort sur cette map. Moi je vous conseille, soit le star power, honnêtement les deux star power sont bons sur ricochet, que ce soit le star power du rebond ou le star power de la vitesse, les deux sont vraiment très sympas. Ok, on prend la vision, on avance petit à petit, hein. Là vraiment c'est à tâtons, on avance, Blaze qui check un peu les fougères. Ok, on a trouvé deux Shelly, oh là deux Shelly, alors espérons qu'elles soient pas ensemble, une Shelly 8, Blaze qui fait le taf, Blaze qui prend, ah c'est l'autre Shelly en fait qui a pris le kill, je crois que c'était Blaze, mais pas du tout. Ok, on est toujours à 7 potions, on est toujours 4 équipes, on va essayer d'aller chercher le top 1 les amis, là il faut chercher le top 1, évidemment. Ok... Hop, attention à la Shelly dans le coin. Blaze qui continue de lui mettre une bonne pression. On a un Daryl. Oh là, la mauvaise situation. Oh, la Shelly qui est sortie de nulle part. Qui a failli me faire très très mal. Encore heureux que j'avais 7 potions. Hein. Sinon, je serais déjà mort. Blaze qui continue de mettre la pression avec son Rico. Moi, j'avance. Hop là, un bull. Oula. Bah, le bull, au revoir. Merci d'être venu. Alors, j'ai peut-être placé mes mines à un moment. Ça fait mal que je les mette côté droit, je pense. Là, pour l'instant, je les mets pas. Ok, parce qu'il y a encore celle d'active. Voilà. On va les mettre ici. Et là, ce chemin-là, il est totalement barré. Alors attention quand même à Blaze, qui est un petit peu low. On a encore de la Shelly, évidemment. Il y a beaucoup de Shelly, de bulles sur cette map. C'est assez horrible. Honnêtement, c'est, je pense, une des maps de survivants que je... Bah déjà, je suis pas un grand fan de survivants. Mais alors, cette map-là, c'est vraiment pas celle qui me plaît. Elle est assez compliquée. Alors attention, parce que là, on est dans une guerre civile ouverte. Allez, la Shelly qui tombe. Et on est pas mal. On a réussi à prendre l'avantage. Et on prend les deux kills pour terminer. Et le top 1, les amis. Le top 1 qui fait plaisir. Allez, troisième game, allez, on a fait un top 4, un top 1, là il faut absolument encore faire un top 1 si on veut espérer quelque chose dans le top FR cette saison sur le Marathon Star. Hop là, j'en profite avec mes multiples fléchettes pour faire des dégâts sur les deux caisses en simultané. On est déjà à deux caisses, Blaze il est déjà parti vers le mid hein, j'ai l'impression. Moi je rentre tranquillement, hop, on en a vu un Léon tomber, ok. Attention à Blaze qui est pourchassé par une Shelly, l'avantage c'est que voilà, il a ma vision avec le beau. Donc ça l'aide énormément.
Hop, évidemment, à ce moment-là, on est en vocal avec Blaze. Hein. Je vous ai pas mis la version vocale, je vous ai mis la version où juste, bah, en fait, je vous recommande les parties a posteriori. Si vous préférez la version vocale, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Je vous la, pour la prochaine, prochain épisode, je vous mettrai peut-être le vocal avec les collègues qui jouent avec moi. Blaze est encore tombé. Décidément, Blaze, il meurt beaucoup dans cette vidéo, je trouve. J'en profite hein, pour me moquer de lui, le petit Blaze. Ok. On est pas mal, on est pas mal. Oh, le Léon! Oh, le Léon qui sort de nulle part, qui vient de me saucissonner. Alors ça, c'est une très 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 mauvaise nouvelle, parce que j'avais quand même pas mal de potions. Après, Blaze, attention. Oh, la Blaze, il est bien. La Blaze, avec son petit ulti, il va aller chercher le spike. Ça, c'est très bien joué. Normalement, il va attendre mon respawn. Comme ça, il va être à 6 mois, à 2. Ça reste raisonnable. Je vais toujours pouvoir lui donner la vision, et ça va être à lui de faire les dégâts, par contre, ici. Hein. Clairement, moi, je vais... Oh, bah, on est déjà en survivant. On est déjà en duo. Alors, qui va être planqué? Alors, où ils sont? On les cherche un petit peu sur la map. On essaye avec la vision évidemment de les attraper. Et ils sont en bas. Ils sont en bas, on a vu le respawn de l'Anita. Ok, ils sont en train d'essayer de me rush. Blaze qui cartonne les dégâts. Il met des gros gros dégâts là-dessus. Et c'est le kill et c'est le top 1. Première journée, bilan. 2 top 1, 1 top 4. Pas si mal. Ok, on est parti les amis du coup pour le jour 2. Où on est avec, du coup cette fois-ci avec Pony Swag. On est sur de la map de prime Canal Grande. Donc, ou Grand Canal en français, si je ne dis pas de bêtises. En l'occurrence, une map plutôt sympa. Moi, je suis parti sur du tick avec Blaze, avec son petit Mister M pour mettre la grosse pression. Et Poney qui s'occupera des dégâts avec sa BA. Attention, parce que là, on est déjà un petit peu mené. Il va falloir prendre le kill sur le Brock. On n'a pas réussi à la voir. Moi, je suis pas bien du tout. Je vais tomber aussi. On est en 1-6. On n'est pas bien. On n'est clairement pas bien, là faut vraiment qu'on se regroupe du même côté, hein. Ça, c'est, je rappelle que les compos sont faites par l'ami Blaze, hein, le frérot. Là, vous aurez aussi le Twitter du copain PoneySwag en description. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez suivre des top players, ça leur fera plaisir. Attention, hop, hop, hop. Moi je survis par un miracle, je ne sais pas comment, par l'aide évidemment, bah, notamment du tanking des petits pingouins de Blaze. Ça c'est pas mal, on est revenu à 11-8, on a réussi à reprendre l'avantage. Moi, pour l'instant, j'essaye de zoner un maximum et d'éviter qu'on se fasse un petit peu trop rush. Attention au Brock qui met un bon ulti là-bas. Il essaye de faire tomber Poney Swag. Poney va-t-il gagner son duel? Oh, Poney... Ah, mais qui tombe derrière, malheureusement. Ça, c'est pas rentable. C'est le problème quand vous tuez quelqu'un qui vous tue juste après. Il prend forcément une étoile de plus. Et ça, c'est pas forcément un régal. Ok, Blaze qui a pris un gros kill avec notre ami Mister M. Mister M, le perso qui a le plus grand range du jeu. Eh oui, ça outrange une... Piper, et c'est bah, très très fort, soyons honnêtes, c'est très très fort. Là, je suis mort, 21-19, pour faire la victoire épique, il faut 10 points d'avance, donc il faut absolument qu'on aille les chercher. Allez, en tout cas, on essaye, quitte à prendre des risques, bon, il faut aller chercher la victoire épique, hein, clairement, pour rattraper le top 4 du premier jour. Allez, attention, moi j'ai encore pris des balles, aïe 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 aïe, oh là là, l'ulti de Brock, très bien joué de la part du Brock en face. Et en plus, Blaze est tombé aussi, on est en 23-24 les amis, on n'est pas bien, et là il va falloir un miracle. Est-ce que le miracle va arriver? Moi je vais... Non, je vais survivre. Blaze a réussi à prendre le kill sur le Brock. Et ça passe. Ça passe. Victoire les amis. Victoire. Ça nous permet de remonter un petit peu dans le classement. Malheureusement pas de victoire épique, seulement 30 points. Ok, deuxième game, pardon. Deux primes. Hop, on va tous du même côté. Voilà. La première fois on s'était loupé, on n'était pas parti du même côté. Parce que dans le plan, c'est Blaze un petit peu qui est notre stratège dans ces games-là. On suit un peu ses compos. Là, on a pris un premier kill sur la Shelly. Bon, Shelly, Bull, Barley, normalement, on est clairement devant. Ils n'ont pas une compo OP du tout. Alors attention à Blaze qui vient de se donner un petit peu. On a réussi à reprendre deux kills sur le Barley derrière. Ok, la Shelly, elle va tomber aussi. Le Bull, il est planqué, mais le Bull, il va se calmer très très vite. Le Bull est pas bien, le Bull va tomber sous le petit coup de tic. Et là, moi, je suis... Attention, faut quand même pas trop que je brûle. Voilà, on se met entre les zones barbecue pour éviter de cramer. C'est toujours une bonne chose. Ok, moi, j'ai 6 étoiles, je vaux très cher. Et là, le problème, c'est que je suis très mal placé. Je suis pris en sandwich et je tombe. Aïe, aïe, aïe. Ça les fait revenir à 17-15. Forcément, il faut faire attention quand vous avez beaucoup d'étoiles, sinon c'est la sanction. Allez, on va remettre un petit peu de zoning, voilà, permettre à Blaze de potentiellement faire un kill sur Shelly. Ah, Shelly qui prend le kill sur Blaze, mais derrière, moi je la tue. Allez, Poney qui arrive, Poney qui prend le kill sur le Barley, ça c'est pas mal. On va remettre du zoning, tranquillou.
Voilà, Tick c'est très très fort hein, sur cette carte pour vraiment, vraiment empêcher les gens d'avancer. Barley c'est très fort aussi. Mais j'avoue qu'on a préféré prendre Tick qui est plus efficace. Là, encore un kill de pris sur le Barley avec le petit ulti, on sait jamais. Sur un entendu ça peut passer, mais Bulle a dit non. Shelly, elle va tomber tranquillement sous les coups du pingouin. Pareil, oh, Poney Swag qui nous a fait un beau sniping. Moi je tombe encore malheureusement. Mais Blaze qui vient finir le kill 32-21. On est sur une victoire épique pour l'instant. On a plus 13. Avec le nouveau kill de Poney, est-ce qu'on va réussir à tenir cette victoire épique, les amis? On met encore une fois les petits zonings avec notre tick. Ça les empêche totalement d'avancer. Leur compo est vraiment compliqué hein, par rapport à la nôtre. C'est quasiment impossible pour eux de gagner, soyons honnêtes. Et du coup, victoire épique! Victoire épique, les amis. La première de la saison. Ça fait plaisir. Ça fait 33 points. Allez, troisième game et petit accident de parcours. Poney Swag avait lancé en random sans faire exprès une game de Marathon Star. Du coup, c'est le copain Volgar qui vient nous rejoindre. Vous aurez aussi sur Twitter en description, n'hésitez pas à vous abonner les potos. Le copain Volgar qui vient nous aider. Alors, du coup, Volgar, on n'était pas en audio avec lui. Donc, c'est pour ça qu'il est parti côté droit tout seul là où on aurait dû partir à 4, enfin à 3, pardon, sur le côté gauche. Ok, on va remettre des petits zonings avec le tick. Voilà, ça c'est pas mal. Hop, Blaze qui prend un kill, Volgar aussi. On est en 5-6, 8-6. Maintenant que je viens de faire tomber le type d'en face, la compo est déjà bien meilleure dans l'équipe d'en face que celle d'avant. Donc forcément, ça va être un peu plus sérieux. Ils ont double lanceur en plus. Donc double lanceur, ça peut être gênant en vrai par rapport à notre compo. Parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de points de vie. Et voilà, Blaze qui tombe. Après, Volgar, il peut vraiment mettre une grosse pression avec son petit pingouin. Moi, pour le coup, j'arrive à reprendre le kill sur le tick. Le tick, je crois que j'ai eu. Il a passé sa game au spawn avec moi, je crois. Clairement, il a pas dû apprécier. Allez, on met l'ulti de Tick pour aller chasser le Léon sauvage. Est-ce que ça va prendre le kill? Oh, ça prend le kill sur le Léon. Ça, on aime. Clairement, Tick, un perso très, 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 très fort. Qui demande honnêtement pas beaucoup de skill. Qui est plutôt très efficace sur beaucoup de maps. Donc, moi, personnellement, je vous le conseille. Il est assez facile à jouer. Il est même plutôt cool. Là, avec j'utilise de Star Power de la régénération hein, des points de vie. Pas la régénération des balles. Tout simplement pour éviter de mourir trop souvent. Allez, on est en 15-10. Il va aller falloir chercher. Voilà, bien joué de la part de Blaze qui prend 2 kills avec Volgar. Bien joué, 22-16. Aïe, 6 points. Il faut qu'on aille chercher le plus 10, les amis. Le plus 10. Est-ce qu'on peut le faire? Le tick, il va encore tomber peut-être sous mes coups. Non, il survit. Aïe, Volgar qui tombe sous les coups du Léon. Léon invisible, on l'a vu. Hein, côté gauche, là, c'est l'avantage des petits pingouins de Mister M qui nous a tranquillement. Donner la vision 25-18. Il faut 3 points de plus pour aller chercher la victoire épique. Est-ce qu'on peut aller la faire? Est-ce qu'on va aller la chercher? Le Tiki désonné. Blaze qui va essayer de le finir. Volgar qui prend le kill. Blaze qui prend le kill. On est à 31-18. Ah, ça fait plaisir, les amis. On va aller chercher notre victoire épique. Nice! Et du coup, ça nous met à, si je ne dis pas de bêtises, 174 points. Énorme! Jour 3 les amis, on est parti du coup sur le Brawl Ball, sur la map Flipper. Ah, une map plutôt sympa, on a décidé de partir avec Poney et Blaze sur une compo assez efficace. Max, pour acheter Poney Swag, c'est un petit peu le perso qui masterise en ce moment. Il l'a mis à 1250 terres, d'ailleurs vous avez vu voir la vidéo, c'est David Cass si je dis pas de bêtises. Donc pour le coup très solide, moi attention, hop, je vais mettre la balle sur le côté, je joue Mister M, mon petit pingouin. Et Blaze. Ah, il a tenté le trickshot. Il a tenté le trickshot, Blaze l'escroc, mais pourquoi il a pas marqué? Oh non, Blaze! Oh non! Oh, j'avais pas vu ça en live. Quand on avait joué les games, j'avais pas vu Blaze, mais... escroc de Blaze. Qui s'est loupé. Donc, pour la victoire épique en Brawl Ball, les amis, il faut mettre 2-0. Hein. Faut pas prendre de but. Donc, on a encore 2 minutes pour mettre 2 buts, c'est ok. Va juste falloir pas trop se louper et éviter peut-être les trickshots. Moi, j'essaye d'avoir... Aïe, je suis pas bien, ouais. J'allais dire, j'essayais d'avoir le Brock, mais le Spike, il m'a calmé. Il faut absolument pas qu'on prenne de but ici. Est-ce qu'on peut tenir? Ok, défense de Poney Swag, plutôt efficace. Bah, je repars tranquillement avec la balle et on va chercher Blaze sur le côté gauche. Avec en plus Poney Swag qui nettoie tout le monde. Hein. Poney Swag à 160 points de vie. La passe, elle a été faite. Et Poney, est-ce qu'il peut marquer? Il va faire la passe à Blaze. Aïe, 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 on s'est pris les rebonds. On s'est pris des rebonds de Jesse.
Et toujours pas de but. Oh, Blaze qui tente au combo. Est-ce que ça passe le combo? Ah, il s'est fait accueillir par le Brock. Bon, qui fait beaucoup de dégâts au corps à corps, évidemment. Enfin, en tout cas, quand il spam ses roquettes, il fait forcément très très mal. Et au corps à corps, bah, il peut pas les louper. Donc forcément, ça fait un sacré dégât. Moi, je vais placer mon petit, ma petite usine à pingouins, comme on appelle ça dans le milieu. Ok, alors je sais pas comment le Brock n'est pas mort là-dessus. Par contre, là, on est sous vitesse de Poney Swag et Blaze directement dans les buts. Ça, c'est cool. Allez, 53 secondes pour aller chercher un deuxième but. Blaze a à cœur de se rattraper, là, je pense, de ce qu'il a fait avant. Ces escroqueries. Ok, on va remettre une usine à pingouins. Et on va tuer le Brock. Ok, là, on pourrait faire la passe à Poney Swag, mais il va être tout seul et il n'est pas encore full life. On va plutôt attendre que Blaze avance. Blaze, côté droit. On lui a fait la passe. Est-ce que Blaze peut passer? On va... Ah là là, j'allais lui remettre la passe. Oh, la laser passe. La laser passe pour Poney Swag. Et ça rentre, les amis. Victoire épique. Encore. Plutôt sympathique, vu que du coup, on passe à 177 points. 207 points, que dis-je? Je ne sais plus compter. Excusez-moi. Allez, on y retourne avec notre composition des enfers. Là, il y a un Bulle en face. Ok. Bon, en vrai, Bulle, c'est pas le perso qui me fait le plus peur en Brawl Ball. Blaze qui a réussi à le nettoyer. Alors après, ça va être compliqué pour Blaze, parce que c'est vrai que le duel Bulle Daryl, généralement, c'est pas trop à son avantage. Hop, ah, j'ai pris un rebond. Et bah, Blaze aussi, c'est cadeau. Hein. Nous, on travaille en famille. On prend les rebonds tous ensemble. On aime ça. Ok. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire, vous, où est-ce que vous en êtes, hein, au niveau de votre marathon star? Est-ce que vous avez rushé? Est-ce que vous le tentez? Combien de points vous avez? Alors, je rappelle qu'on est là actuellement, ce que je vous commande, c'est le jour 3. Donc, avec les points évidemment du jour 3, comparé par rapport à celui-là. Ok, on essaye de zoner. Hop là, on va lui mettre une petite usine à pingouin. Mais ça me rebondit dessus, c'était pas une bonne idée ça. Peut-être pas une bonne idée. Et du coup, je suis tombé derrière Blaze. Il essaye de prendre. Oula. Je crois que c'est pas plus mal que la caméra ait changé d'angle. Je crois que l'ami Blazou nous avait fait ce qu'il sait faire de mieux, à savoir de foncer dans les murs avec son Daryl. Pendant que Poney fait un travail énorme. Hein. Poney, il fait un travail énormissime avec Max. Il est très très fort avec, clairement. Et hop là, et Max qui a d'ailleurs été augmenté au dernier patch, donc forcément, le perso était déjà fort dans les mains de Poney avant, maintenant il est encore plus fort. La petite passe pour Blaze, un peu loupée, mais ça devrait suffire à marquer tranquillement. Nickel. On se permet même la trick pass, pas fait exprès, mais ça passe quand même. Ok, d'ailleurs la Bulle qui... Que fait Bulle? Bon, Bulle a décidé de s'offrir. Écoutez, nous on prend, et moi derrière, hop, petite passe pour Blazou. Et Blaze qui nous fait le petit shot des familles. Et ça fait encore 2-0. Ça fait encore une victoire à équipe. Épique, pardon, les amis. Et ça nous met à 240 points, ce qui est pas dégueulasse. Et on va essayer d'aller chercher les 33 points supplémentaires maintenant. On va se mettre à 273, ce serait top. Ça nous mettrait à peu près top 200 FR, hein, normalement, si je dis pas de bêtises. Ok. Hop là, le Colt qui fait des choses. Bon, Blaze qui va tout droit. Bon, leur compo, en vrai, elle est pas dingue. Soyons honnêtes, leur compo n'est clairement pas dingue. On est clairement au-dessus. Et on devrait normalement s'en sortir assez facilement. Je vais pas vous mentir, je me rappelle de cette game, vu qu'on l'a jouée hier, hein, tout simplement, aujourd'hui, je vous la commente. Donc, du coup, je me rappelle très bien, elle a été assez rapide. Sans vous spoil, parce que Blaze, là, autant vous dire qu'il va dans les buts. Hein. Clairement, un Daryl tout seul avec le nettoyage qui a été fait, c'est Golasso. Normalement, Blaze... Ah, Blaze a dû tenter encore un trick shot. C'est normal, c'est Blaze, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, avec le défi des 15 wins à faire, hein, pour le tournoi mondial de Brawl Stars, les amis, ce week-end, je le ferai avec Blaze en live et un troisième joueur qui n'est pas encore défini. Mais on va le faire, on va le tryhard cette saison. Parce que la saison dernière, j'avais pas réussi avec Flora et Décote. Mais là, cette saison, on va y réussir. Bon, voilà, Blaze. Blaze qui s'est rattrapé, parfait. Et écoutez les amis, ça nous fait une troisième victoire équipe épique, épique JS, épique, pas épique, en Brawl Ball, ça nous met à 273 et on est plutôt pas mal. On va aller voir du coup où ça nous met en termes de classement top FR. Hop, ça nous met où? Ça nous met 231ème. Honnêtement, c'est raisonnable. On a quoi? On a 27 points de retard sur le top 1 FR, enfin sur le top monde tout court. C'est honnêtement correct, on peut totalement remonter. Il y a moyen d'aller faire une perf. Du coup, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, ça fera extrêmement plaisir. Si vous achetez des choses en boutique, n'oubliez pas le petit code créateur JSGOD, ça fait également très plaisir. Un grand merci à tous les joueurs qui m'ont aidé pour cette première session de Marathon Star, que ce soit Blaze, Poney et Volgar.
et on se retrouve très bientôt pour la suite du Marathon Star, les amis. À bientôt, ciao ciao.